Good morgen, allez, Yiden et Shiro, aujourd'hui, le Nishmat, Avram Mordechai Ben Yitzhak, Befani, Dvorah Ben Fortuna, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther, et Richard Aharon Ben Fortuna, Mazal Fritna. Si vous souhaitez vous suivre d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes et terminez, nous allons nous affaire tout votre Perikiyud, Mishnahi. Mishnah Yenasui, Arba Nashim, Vamet, Arishona, Kodemet, Lashnia, Vashnia, Lashlishit, Vashlishit, Vamavit, Arishona, Nishbat, Lashnia, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית. והרביעית נפרד שלו, בכתוב, שלו בשבוע. בן ננס אומר, וכי מפני שהיא אחרונה נזכרת, אף היא לא טיפה אלא בשבוע. היו יוצאות כולן ביום אחד. כל הקודמת לחברת אפילו שעה אחת, זכתה. וכך היו כותבים בירושלים שעות. היו כל הן יוצאות בשעה אחת, ואין שם אלא מנה, on traduit directement, c'est une Misha très facile. Misha Yanasui Arbanashim, il y avait un homme qui était marié avec quatre femmes. Il s'est marié, mais une après l'autre. C'est-à-dire, il s'est retrouvé marié avec les quatre femmes en même temps. Mais la première année, il a commencé avec une femme, puis après, il a rajouté une deuxième femme. Après, la troisième année, une troisième femme. Quatrième année, c'est quatrième femme. Et cinquième année, monsieur est mort. Alors quoi? Maintenant, elles viennent chacune avec sa ktouva. Chacune, elle réclame 100 000! Alors, s'il y a de quoi satisfaire tout le monde, on donne à tout le monde. Mais s'il n'y a pas assez, il avait laissé qu'une petite parcelle qui coûtait 200 000, par exemple, eh bien on va donner à la première, et s'il en reste, on donne à la deuxième, et puis si on reste, on donne à la troisième, et s'il reste, on donne à la quatrième. Le dernier, premier arrivé, c'est lui qui prend tout le, qui a tout le, la main haute pour ça. D'accord? C'est ce que la Mishnah me dit comme ça, Mishnah Yenasui Arba Nashim, celui qui t'aimerait avec quatre femmes, va mettre, et il est décédé. Harishona Kodemet Lashnia, la première mariée, elle a un droit de priorité sur la deuxième. Ushnia Lashlishit, la deuxième, elle a une priorité sur la troisième. Ushlishit Larevit, la troisième, elle a une priorité sur la quatrième. Mais malgré tout, quand même, c'est pas que la première, elle vient, qu'elle dit, il y a écrit 100 000, je prends 100 000. Deux minutes. La première, elle doit jurer à la deuxième. La deuxième, elle doit jurer à la troisième, la troisième, elle doit jurer à la quatrième. Sur quoi jurer? Jurer de quoi? Jurer qu'elle vient réellement réclamer les 100 000 et que le mari ne lui a pas donné d'autre argent. C'était fréquent à l'époque, comme situation, que le mari, c'est vrai qu'il s'est engagé à donner 100 000, mais il avait quand même, par sécurité pour la femme, qu'elle ne se retrouve pas. Vous imaginez que partir faire une saisie de biens, c'est très compliqué. Ça demande des preuves, ça demande de la patience, ça demande les nerfs solides. Et il y en a que pour assurer leurs arrières, il va lui laisser à la femme, il va lui laisser sa grosse Rolex, par exemple. Comme ça, au pire, tu auras déjà 80 000. Et comme ça, c'était une situation qui existait quand même à l'époque. Et donc, malgré tout, la première vient dire, j'ai un droit de priorité sur vous toutes, je prends. Mais la deuxième lui dit, attends, avant que tu prennes, je veux d'abord que tu jures qu'il ne t'a rien donné. Peut-être qu'il t'a déjà laissé en gage quelque chose d'autre, et qu'après tu vas prendre deux fois la ktouba. Or, si toi tu viens saisir la ktouba, tu viens saisir ce bien-là, il ne me restera plus rien. La seule chose que je peux faire, c'est de te faire jurer que tu jures qu'il ne t'a pas déjà payé. Et ainsi de suite pour la deuxième qui fait jurer la troisième qui fait jurer la deuxième, la quatrième qui réclame à la troisième de jurer. Par contre, la quatrième, alors c'est ce que la Michelle me dit, regardez, Arishona Nishbat Lashnia, la première, elle a le devoir de jurer pour la deuxième. Vushnia, la Shlishit, la deuxième femme, elle a le devoir de jurer pour la troisième pour la réconforter. Qu'elle n'a pas déjà reçu sa ktouba. Ou shlishit la revit, idem pour la troisième, elle doit jurer pour la quatrième. Par contre, va revit, nifrat, tu l'obliges voir. Par contre, la quatrième, imaginez qu'on a laissé, il y avait 380 000. La première, elle a pris 100 000, la deuxième 100 000, la troisième 100 000, elles ont tous juré. La quatrième, elle arrive, bon, il reste que 80 000. Elle prend les 80 000 sur les 100 000, mais bien évidemment, elle n'a pas besoin de jurer, que le mari ne l'a pas déjà payé. Comme ça, c'est écrit pour le moment. C'est le premier avis. Ben Nanas Omer, Ben Nanas nous dit non, ça va pas, même la quatrième elle doit jurer. Vechi Mipne Sheya Harona Niskret, c'est quoi? Parce que cette femme-là elle vient prendre en quatrième position, alors elle va recevoir un avantage, un quelconque avantage. Niskeret, elle va gagner du salaire, elle va en profiter de ça. Af Ilotipara, elle a bijoua, même elle ne pourra jurer que si elle jure que le mari ne lui a pas donné, qu'il n'a pas déjà payé l'actova. De quoi on parle exactement? C'est très simple. Il y a une marloquette en fait entre Rabbi Ben Nanas et Chachamim. Regardez d'abord extérieurement comment la marloquette
elle est, on parle que la quatrième, elle arrive enfin pour récupérer sa ketouba, il reste 80 000 shekels de bien. Elle dit, bon, mais écoutez, ça a donné les mois. Personne ne va lui réclamer de jurer à elle, parce que, en théorie, pourquoi vous voulez qu'elle jure? Il n'y a plus personne, elle porte de préjudice à plus personne d'autre. D'accord? S'il y a des héritiers, alors il faudrait, ils la font jurer, ils font effectivement, mais ça n'a pas d'héritier, elle n'a pas de raison de jurer. Malgré tout, il y a Chachamim qui vient, il y a Ben Anas qui vient, qui nous dit non, 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 elle doit quand même jurer. Vous savez pourquoi? C'est très simple. On parle en fait d'un cas où. Alors, est-ce qu'on parle concrètement de. Où c'est écrit ici dans le Barthénois, on parle du cas précisément. C'est pas qu'on craint que le cas se produise. On parle du cas en fait où il y a une fois que la troisième elle a pris sa ktouba, elle a pris le champ qui valait 100 000, il commence à avoir des rumeurs qu'en réalité ce champ-là il appartenait pas réellement au mari. Il y a des gens qui vont venir discuter sur ça. Est-ce que discutailler, ils vont réclamer, ils vont revendiquer, c'est le bon mot, ils vont revendiquer que le mari en fait il avait volé ce terrain par exemple. Elle a fait, donc la troisième, il s'avère que la troisième, elle pourra, peut-être, elle a déjà pris son terrain, elle est déjà contente qu'elle a déjà les 100 000 dans les mains. D'un coup, elle commence à entendre qu'en fait, ça se trouve, c'était même pas le terrain du mari qui l'avait volé, et donc elle va devoir le rendre, et donc elle va se retrouver sans argent. Quand elle sera sans argent, alors bien évidemment, elle aurait en théorie un droit de repartir par quatrième, et de dire, bon écoute, toi tu as pris de l'argent de ce que le mari il avait laissé, parce que tu es en quatrième position, et qu'il y avait de quoi nourrir tout le monde. Mais maintenant que moi, on m'a pris... On saisit mon bien, le bien que j'avais pris pour me faire payer. Maintenant, je reviens mon droit de priorité sur toi, tu dois payer. Ça, c'est la vie de Tanakama. Et c'est pour ça qu'en fait, le quatrième bien, il n'a aucune raison de durer. Si au bout de 1 an et demi, la troisième, on va lui venir lui prendre son bien, elle va repasser la quatrième, et là-bas, elle réclamera qu'elle lui paye. Ça, c'est la vie de Tanakama. Ben Nana, s'il pense que... Non. Ben Nana, s'il pense que... Une fois qu'on a partagé et que chacun a reçu sa parcelle, la troisième n'a plus la possibilité de venir voir la quatrième. Parce que ça y est, on a fixé que maintenant chacun c'est la part qu'on prend, on ne peut plus réclamer l'un sur l'autre. S'il en est ainsi, alors il s'avère que maintenant, lorsque la quatrième elle va prendre le champ de 80 000, peut-être qu'elle est en train de porter aussi un petit préjudice au troisième mari. Parce que, en réalité, peut-être que le troisième, on va venir lui prendre son champ qu'elle avait pris, et qu'elle va devoir repartir à la quatrième. Or, ce sera trop tard. Selon Ben Anas, selon Chachamim, ce sera encore le moment, il n'y a pas de problème. Et selon Ben Anas, ce sera trop tard pour venir réclamer. Et donc, puisqu'elle en est ainsi que ce sera trop tard, alors elle peut, au moment de la saisie, de lui dire, je t'impose de jurer qu'il ne t'a pas donné de ktouba, d'accord? Il ne t'a pas déjà payé. Ensuite, dernière partie de la Mishnah, Ayuyotzot Kulan Beyom Echad. On parle maintenant où il y avait... On a dit jusqu'à maintenant que ce qui va fixer la priorité, c'est donc on va regarder les dates à quelles dates elles ont été signées. Mais imaginez qu'en fait, les quatre ktouvot ont été signées le même jour. Le gars, il s'est dit, c'est la Saint-Valentin ou je sais pas quoi, il s'est marié avec quatre femmes le même jour, une après l'autre. Ouais, il avait fixé comme ça à 8h du mat, 10h du matin, midi et 2h. Chacun, toutes les 2h, une nouvelle belle voiture décorée, il va échanger de smoking, des fois noir, des fois blanc, selon la femme. Et donc il s'est marié avec quatre femmes le même jour. Alors là, kol hakodemet lechaverta filu sha'a achat zachta. Toute celle qui devance l'autre même de 1 heure, on regarde les heures, à quelle heure on a écrit les ktouvot, on a vu, ah, elle s'est mariée à 8h du matin, l'autre à 10h, l'autre à midi. Et bien dans ce cas-là, on voit, donc les ktouvot, elles ont été écrites à la même heure, à chacun une heure différente. Eh bien, toute celle qui précède l'autre, c'est elle qui aura un droit de priorité sur la ktouba de se faire payer avant. Kol hakodemet lechaverta afilu sha'a achat zachta. Vekach hayu kotvin birushalayim sha'ot. Et c'est d'ailleurs, tel était l'usage à Yerushalayim, d'écrire exactement les heures à laquelle on se marie. Comme ça, on sait à quelle heure la saisie elle a été. Le droit de saisie du bien, il a été enclenché. Maintenant, si toutefois Yokulan Yotzot Besha'a Achat, si toutefois les quatre femmes ont la ktouva à la même heure, ouais, soit il s'est marié avec les quatre en même temps, soit en réalité il s'est marié, mais qu'après il a changé la ktouva, imaginez toutes sortes de situations, maintenant les quatre ktouvot elles sortent avec la même heure, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Vencham et la mané, et il n'y a qu'un seul mané qui peut te donner soit elle, soit elle, soit elle, qu'est-ce qu'on fait?
elles ont toutes le même droit équivalent sur ce terrain et elles viennent toutes prendre un quart. Cholkot, Béchavé, elles vont se partager le terrain qu'il y a équitablement. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.